Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, sur l'épisode 7, je crois, de Castlevania, Lords of Shadow. La dernière fois, nous étions arrêtés alors qu'on était en train de chevaucher un gros toutou canigou absolument adorable, tandis que nous poursuivions une boulangère qui avait buté un troll des montagnes en utilisant le psychopouvoir d'une gemme étrange, bizarre, ésotérique et violette pour invoquer un démon à gros seins qui, après un magnifique tourbillol, a buté le troll d'un seul coup, et on se demandait qui était cette boulangère ninja, mais pas nudiste, c'est ce qui est dommage, malheureusement. Alors que tout le reste dans ce village semble être nudiste. Donc du coup, on se plonge dans le niveau d'aujourd'hui, le Donjon Noir, avec bien évidemment Christopher Lee ou Patrick Stewart, hein, c'est comme selon que vous préférez, qui nous fait la narration. C'est parti. Oui. Mais il nous fait pas la voix, là. Bah alors, il nous fait pas la voix. Parce que j'ai lancé le niveau par erreur, et du coup, comme j'essaie de le relancer, là, il nous fait pas la voix. Bon, c'est pas grave, je reviens, j'essaie de lui faire parler. Parle! Tu as parlé, fumier! Ça y est, normalement, il a accepté de parler dès qu'il aura fini de laguer. Voilà, ça devrait marcher. Maintenant, en partant de là, ça devrait marcher. Allons-y. Who is this strange girl? Surely she could not have survived alone in this hellhole. Gabriel follows her deep into the depths of the city. I wonder where she is leading him. It is strange. I hear no words, and yet it seems Gabriel is communicating with her in some way. Something tells me she has a part to play in all of this. Étrange. Surtout comment elle a fait pour survivre au milieu d'une ville plongée par le nudisme et pas se faire défoncer à chaque coin de rue. Ça, c'est la vraie question. Elle doit vraiment avoir des skills de fou. Genre des talents de malade, quoi. En fait, c'est la meilleur ninja du monde. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle s'habille en boulangère, c'est pour pas éveiller les soupçons. Malin. Très malin. Oh, attends, c'est quoi ça au-dessus là? On peut pas monter là? Non, t'es sûr? Y'a rien là au bord, t'es sûr qu'on fait pas de la gueule? Facile. Hop. Oh. Je me suis fait peur là, j'ai pas fait exprès d'un coup. Ok, Ok, hop. Ok, c'est pas mal. On peut pas descendre là, non, très bien. Je me disais que c'était un plan à la con. Ok, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi j'ai raté le saut là pour le coup. Je vois un chevalier en bas, ça m'intéresse. Hop. Il a de bonnes jambes quand même le Gabi. Hein. Hier ça se fout pas de votre gueule. Hein. Hop. Rollez. Comment on va faire ça? Ah je vois. Oh là! Hurra! Voilà! Yes! Yeah! Augmente ma sainte puissance! Le F de FBF, le fantôme! Plus de coups de pouvoir! Vous avez rempli votre médaillon de gemme de lumière avant capacité de magie. En plus, ça s'est pas foutu de ma gueule, ça l'a augmenté d'au moins 33%. Ah. Gentil de leur part. Ok, allons par là. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente, je suis Super Lennon. Il prend des pauses, tu sais. Allez, donne-moi ton parchemin. Maudite chambre, Stefano et Michel. Stefano. Pardon, c'est pas ça, mais... Stefano et Michel. Allez, c'est même pas Michel, c'est Michael. Alors, Stefano et Michael avancent dans leur périple pour chercher de l'aide. Je suis content que nous fassions équipe, car c'est difficile d'être seul. Stefano est une gemme d'ombre qui lui a conféré d'immenses capacités. Mais je crains que cela ne l'ait changé. Il a développé un fort caractère qu'il n'avait pas avant. Et il se délecte du massacre de ce créature plus qu'il n'est nécessaire. Mais franchement, je ne devrais pas m'en plaindre. Maintenant qu'il est parti, je me sens vulnérable. Il devrait revenir bientôt. Je l'espère. Hein? Ça veut dire que quelque part il devrait y avoir une gemme d'ombre dans ce niveau à la con. Ce qui est globalement une bonne nouvelle pour nous. Ok, allons-y.
Wow. Je trouve ça suspect. Voilà. Ah, mademoiselle, bonjour. Vous avez de belles miches aujourd'hui. Vous savez qu'un être humain, ça marche normalement? Ah bah voilà, vous savez faire. C'est pas la peine de se la péter. C'est moi ou elle vient de faire un saut périarrière de 50 km de long? Je viens juste de réaliser, waouh, elle est dans la matrice en fait. Putain. Mais c'est qui cette gueule? C'est pas Stefano, c'est son pote. Du guano de Gremlin. Cela semble répugnant, mais cette substance était en fait de très grande valeur dans la culture agartienne. La substance est inflammable et brûle lentement, mais avec une flamme bleutée très chaude. Ses caractéristiques en font une bonne source d'énergie, couramment utilisée au cours de l'ère première de la cité mythique, tout du moins jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par les cristaux noirs, plus puissants. Ok. D'accord, donc du guano de gobelin. Donc c'est de la merde de Gremlin, en fait. Ah. Ok. Oh! Ça doit être un gremlin! Qu'est-ce que... Mais t'es tout feu, tout flamme, toi, dis-moi! Ouais. Allez! Ouli! Yeah! Ouli! Oh là, oh là, oh là! Aïe, 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 aïe! Ouli! Yeah! Allez! Vos âmes! Donnez-moi vos âmes! Parfait! Quand même! Allez! Oh, une clé! Une des runes de pierre manquante du pont! Excellent! Ah, attends, là, il y a quelqu'un ou quelque chose! Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix, j'ai dit! Dague enflammée! Dague enflammée! Ah! Bien joué, bien joué, bien joué. Je n'ai pas récupéré de vie, tant pis. C'est brave. Allez, toi, donne-moi ta gemme. Ouais, c'est Stefano. Excellent. Parfait, parfait. Il est donc mort et s'est réincarné dans une vidéo de PewDiePie. Alors, D'accord, donc ça, c'est des trucs en merde de Gremlin. Très bien. Donc là, il y a une clé, mais il en manque une. Bon, bah... J'utilise la force. Oh. Ça va être très pratique, tout ça. Ah, quoique. Ah, très bien. Excellent. Enfin, excellent. Tout ceci est relatif... Je vais pas enfoncer cette porte tout seul. Oh! Oh, Magali! Magali l'amigale! Tu nous avais manqué! Sauf aux viewers qui sont... Ah, bien joué! D'accord, vous voulez augmenter la difficulté? Soit! Soit! Qu'à cela ne tienne! Qu'à cela ne tienne! Ah, bien joué, alors que je t'avais eu en l'air. Dégoûté. Voilà. Allez. Ah putain, j'arrive pas à t'atteindre. Ah, bien joué, avec une petite boule de feu de merde. Allez, viens là. Toi, viens là. Eh tiens, je t'en mets une quiche parce que j'en ai rien à foutre. C'est l'heure de la vengeance, Magali. La vengeance, tu comprends ça? Allez. Allez. Tiens. Et... Ouh, yeah. Parfait. Voilà, défonce-le et meurs. Parfait! Phew! Allez, toi, donne-moi quelque chose de bien. Une des runes, super! Oh, et une fontaine de santé! Excellent! Parfait! Bon!
Mais foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix, j'ai dit. Mais foutez-moi la paix. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Voilà. Ton âme. Voilà. Voilà qui règle le problème. Donc. Alors. Technique de la force. Voilà. Parfait, la deuxième morceau de pont est installé. C'est nickel, avançons. Oui, des âmes. Excellent. Voilà qui remplit à toute ma jauge de psychopouvoir. Parfait. Oh merde. Tourminol. Très bien, ça les rassemble. Ok, très bien, je viens de comprendre. Très bien, ok, ok. Sazonnez, sazonnez, tournez les violons. Putain, j'arrive pas. Ennemi, très bien. Stop. Did you see the power that resides within those crystals? The crystals can be really useful in combat. You can find crystal shards scattered all over the place. I often go in search of them. How can I hear your voice? I'm not moving my lips. I have the gift. I can also read minds. Who are you? My name is Claudia, and he is my protector. He looks after me. In return, I catch evil souls so that he can absorb their energy. Without it, he will stop working. But there's something different about you. You seem good somehow, so we won't kill you. Merci. I'm relieved to hear it. Ça fait plaisir. It's okay. Let me read your thoughts. No! What is it? What's wrong? You are here to kill the Lords of Shadow and take their power. You mean to save us all and bring the one you love back. I am not afraid. We are coming with you. You won't make it on your own. No, Claudia. I must do this alone. I know the way. You don't. You need me. You need him. Very well. Oh putain, c'est le Daakas machin, quoi. Par contre, ce que j'aime bien, c'est comme elle fait 1m45. C'est Mimi Mati en fait, la petite. Ou alors c'est vraiment Gabriel qui fait 2m50. Ah, excellent! Niveau terminé, le donjon noir. Et ben, 13 minutes, on peut continuer la quête. Wouhou! Je peux même aller dans les compétences pour voir si je peux pas débloquer des choses. Des choses. Ligne de dague, non. Guillotine, non. Coup de pied volant, non. Combo direct, toujours non. Barrière de chaîne, ouhahouhahou. Chaîne circulaire. Pas mal ça. Pas mal, je vais peut-être le prendre. Même si j'ai envie de prendre le combo lourd, mais je vais prendre la chaîne circulaire parce que le combo lourd, il n'y a rien, disons, qui m'autorise à rester au sol aussi longtemps
afin d'en bénéficier. Donc, combo lourd. Non, pas combo lourd, excuse-moi. Chaîne circulaire, voilà. Combo lourd, ça nécessite que je vise la même cible pendant longtemps et que je puisse mettre le combo jusqu'au bout. Le problème, c'est que je me fais attaquer de toutes parts et que j'ai pas le temps. Donc là, voilà, je fais de la zone de manière à être sûr de pouvoir toucher tout le monde. Et j'ai débloqué la tronçonneuse. C'est sympa, ça. Pouvoir relique. Oh putain, j'en ai gagné plein de plus, là. Wow! Ah putain, c'est cool! Une cage de chaîne tournoyante! Et ça régénère tes PV en même temps, c'est craqué! C'est craqué! Flamme de l'ombre, non, celui-là c'est le même, croix sacrée. Séisme explosif! Bam! C'est craqué! C'est craqué, c'est craqué! Tout ceci est complètement stylé! Enfin bref, poursuivons la quête! Allez, vas-y, donne-nous du rêve! Fate has played its hand, and now the die is set. I knew this child would play her part somehow, and it seems Gabriel has real help at last. It bodes well for our quest. The golem that protects the girl has something that could prove very useful in the end, something unforeseen. My dear friend, I see your destiny before me, and it is terrible indeed. And yet I have trust that all will be as I have hoped. Parfait. Eh bien, Claudia la boulangère ninja, je suis content d'avoir l'aide d'une psychique avec moi. Et de son chevalier noir, j'avoue, il est stylé. These people were the ones that created the crystals which you've already seen. Ceux qui votent des démons nudistes. They didn't need armies for protection. Their powers were enough to thwart any threat. That is, until the Lycans came. Then the balance changed. Trolls, goblins, gremlins, creatures of nightmare besieged the city endlessly, day and night. Most fled. Others used their remaining powers to create huge titans to fight against the invaders. The battle lasted centuries until there was no stone left standing. No one left. Those that did not die in battle were captured and devoured. My father was one of the last. He hid me. He created the Black Knight to be my protector. We have been running ever since. Ah, moche. The Titans outlived their creators and stayed here fighting against an enemy that outnumbered them until even they were defeated. All except one. Behind those doors awaits the last of those Titans. Et celui du lac oublié? The only way to reach the sanctuary of the Dark Lord is through that door. We will have to defeat the Titan if we wish to continue our journey. The door will only open with the power of a crystal. You need to find four shards to create a whole crystal. We will wait for you here while you look for them. Go in search of the areas where the crystal shards grow. We will wait for you here. Ah bah merci de pas m'aider à rechercher les cristaux, toi qui as l'habitude de les chasser, qui sait où ils se trouvent et qu'est-ce qui les compose. Vas-y, envoie-moi une quête au pif. Non, sans déconner, je peux pas juste me battre contre ce machin parce que il m'excite. Je tiens à le dire, il me fait bouillir mon sang, chevalier noir. Tu ressembles au Daka, un mélange entre Arthas et le Daka en fait. T'es complètement stylé. Tu me plais toi, grand gaillard. Autant la boulangère, je m'en contrefous éventuellement de l'utiliser à des fins reproductives, mais pour le reste, Ah, qu'elle me fait envie. Qu'elle me fait envie, cette armure géante. Bon. Tout le monde est là, Bob, il préfère se taper les géants d'acier noir plutôt que les petites filles. Bah oui, moi, c'est la gloire du combat. The battle, tu vois. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, j'imagine que... Oh, putain! Parade! Ouh, yeah! Toi, viens là! Bien joué. Voilà. Voilà qui règle la question. Excellent. Je commence à manquer de couteaux. J'aimerais si possible pouvoir récupérer des dagues. Oh, excellent. Qu'est-ce que tu as, toi? Un papier. Très bien.
J'ai entendu parler des légendes des guerres nécromantiques et de la civilisation avancée des Agarciens. On dit que qu'un de leurs titans de guerre gît ici quelque part. J'espère que le Seigneur Noir ne le trouvera jamais et qu'il n'utilisera pas un de ces behemoths capables de ruiner des cités entières. Je vais chercher des indices dans la ville quant au lieu où il repose et j'espère trouver un moyen de détruire cette abomination. The places where crystal shards grow are purple in color. You need 4 shards to create one whole crystal. Bêtement à voir, j'aurais dû sauter, j'ai été distrait par la conversation de l'autre en fait. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Bad. Sweet. Bad. Ah, vous commencez sérieusement à m'énerver. Arrière. Parade de lumière. Voilà. Et une dague, excellent. Ah, un endroit de cristal mauve, bizarre, violet, ésotérique. Allons-y. You found a crystal shard. We need 3 more now. Je sais compter. Merci Claudia. Oh là là. Ça y est, ça croit que ça peut parler avec son cerveau, ça devient intelligent. C'est pas parce que tu peux utiliser les pouvoirs psychiques de ton cerveau que ça veut dire que t'en as un plus gros, hein. Si t'as autant de cervelle que t'as de nibar, on est mal barré, c'est moi qui te le dis. Allons-y. Les vieilles remarques sexistes du plaisir, tu sais. Loup-garou. Une attaque surprise. Bien tenté, maudit chien. Et voilà. Honnêtement, tout ceci se fait. Tout ceci se fait. Là, je peux utiliser un truc pour monter et faire des choses, et là, je ne peux absolument rien faire. Très bien qu'il en soit ainsi. Si là, je peux monter, la question, c'est pour aller où? Hop. J'ai raté mon coup, c'est pas grave, je maîtrise. Bon, à droite. Hop. Voilà. Olé. Yeah. Super, j'y suis. Nous sommes à 21 minutes et demie, je devrais pouvoir faire un épisode à peu près raisonnable. Si j'arrive Remember, à trouver. We still need 3 more crystal shards. Claudia, pour une fille qui peut pas parler, tu commences sincèrement à un peu trop l'ouvrir. Ah. Ouh, putain, c'est passé. Vite avant que ça s'écroule. Ah putain. Excellent. Putain, gros. Raté. Oh, le dragon est... Oh putain, ils sont deux. Ok, pas de soucis, pas de panique. C'est la fête du slip. Ils sont trois, et c'est bien. Ça va augmenter le challenge un peu. Allez, battez-vous, éclat de lumière. Ah, bien joué ça. Ah, ça je peux rien faire. Ah, imparable. Doublement imparable. Remember, we still need 3 more crystal shards. Je sais, je t'entends. Et là, je suis un poil occupé, en fait. Double parade. Triple parade. Quadruple parade, esquive. Ah, j'ai pas pu la quintuple. C'est pas grave. Je devrais avoir assez de puissance absorbée, là, pour augmenter un tout. Ouais, de rien du tout. Ça m'a remonté la barre, mes couilles. Ça a remonté rien du tout. Parade! Toi, je te tiens!
lui. Ah ah! Barad! Les flammes de l'enfer! J'ai oublié d'utiliser les dagues. Je ne suis qu'un imbécile. Bon. Eh ben, pas si mauvais combat que ça. Je suis plutôt fier de moi, là, pour le coup. Et tout ça pour aucun éclat magique de perlimpinpin que je suis censé trouver. Bordel de merde. Bon. Ne paniquons pas. Ah ah, en voilà un. You found another one. We need two more. Je sais compter, Claudia, bordel de merde. Oh, une fontaine de soins. Voilà qui est pratique. Ah ouais. Ok. Là, il y en a une troisième. Excellent. Just one more. Plus qu'un. T'es mignonne. T'es mignonne, ma biquette, t'es mignonne, mais je vois pas très bien. Plus qu'un. Le pire, vous savez quoi, c'est que je suis en train de penser que j'ai dû le rater, quoi. Je dois pas briser cet obstacle tout seul. D'accord, voilà de l'aide. Tu tombes bien, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Allez. Tu veux de moi? Allez, garde tes mains pour toi, fumier! Allez! Parade! Absorption de l'âme! Oh putain, esquive! Allez! Ton âme est à moi! Full mana, fumier! Yeah! Parfait. Détruis tout! Rien n'est un obstacle pour ta puissance! Même pas les mouvements de caméra foireux! There is only one shard left. You just need one more to create one whole crystal. Je sais, Claudia, mais je vérifie s'il n'y avait rien dans la zone. Et il s'avère qu'il n'y a rien dans la zone. Absorption des âmes. Hop là. Les spermatozoïdes de mana et... C'est-à-dire que j'en ai bel et bien raté un. J'en ai bel et bien raté un et ça me fait sacrément chier. Ellipse. Je crois avoir tout vu. Je viens de me battre contre 4 ou 5 loups-garous et leur péter leur mouille. Et là, du coup, si je monte là... Plutôt que de prendre le passage qui fait faire tout le contour. Allez, je passe par un endroit qui n'existe, enfin que je n'ai pas encore pris et qui me fait atterrir là où il y a une fontaine de soins. Donc ah voilà, c'est bien ça. Allez, approchez, parade. Pas d'enflammé du Lennon. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as pas assez, gamin? Mouvement complètement stylé. Absorption des âmes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'admirerai votre croix de combat. Encore? Ok. Quand le cristal noir est sélectionné, maintenez la touche B pour le détruire. Sa destruction entraînera la libération du démon se trouvant à l'intérieur. Cette arme secondaire requiert la fusion de 4 éclats de cristal, mais elle est assez puissante pour décimer la plupart des ennemis vous encerclant et causera de sérieux dégâts aux adversaires les plus puissants. Cool! L'énergie contenue dans un cristal noir peut également être utilisée pour faire fonctionner les mécanismes anciens. Putain, ça fait apparaître un démon à gros seins, quoi. Ça fait vraiment penser à Langyo-Onchi. Je sais pas vous, mais pour ceux qui connaissent ce manga coréen, ça fait penser au démon Fanoon dans Langyo-Onchi. Now come back here. Do not waste the crystal, or you'll have to find another one. Oui, je vais pas gâcher le cristal. Ah putain, je peux pas. Ah d'accord, je peux pas atteindre le truc. D'accord, il me faut l'amélioration. Ok, très bien. Bon, bah je vais te rejoindre, baby. Chez Ellipse. Oh, pas d'ellipse en fait, finalement, parce que je viens de me rendre compte que là, en montant, tu découvres un chevalier. Qui me donne une gemme d'ombre noire, obscure et ténébreuse, ainsi qu'un sac. Un sac rempli de plein de conneries. Et au final, je suis bloqué. Comment je fais pour partir d'ici par-dessus? Non?
Par où ai-je? Je suis malheureusement coincé en fait parce que j'essaie de repartir par là d'où je viens mais je n'y arrive pas. Allez hop, hop, hop. Là j'aimerais bien sauter de l'autre côté. Ah si ça y est, c'est bon, ça marche. Tout à l'heure ça buguait en fait, donc c'est pour ça que j'ai découvert le chevalier complètement par erreur au passage. Parce que je cherchais justement le moyen de partir le plus facile. Bon, au final pas d'élite. On va faire ça à l'ancienne. Ah! Hop 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 hop. Hurra! Voilà. Du coup vous allez avoir une expérience de jeu complète. Complète, chers amis. J'ai fait bugger, c'est bon, ça marche. Je crois que ça s'était déjà écroulé, ça. C'est bon. Attends, il faut descendre là. Voilà, tu passes par là. Tu passes par là. Tu passes par là. On descend. Et on continue la route. On y est presque, chers amis. Juste après ce petit virage, il me semble. Non, mais vous êtes sérieux? Ouh, ha. Ouh, ha. Ah, bien joué. Oh, double coup, et... Parade de lumière. Ah, ça fait juste ting de merde. Ah, bien joué. Raté. Ah, raté. Ah, putain, il me défonce, il me défonce. Toi, Falcon Kick. Parade! Eda! J'ai raté mon coup, il va me manger. Ah, il me défonce. Allez, allez, allez. Oh, je suis mort d'une atroce souffrance. Ouais. J'aime bien. En bas à gauche, ça marque fin. Ah oui, reprendre au dernier point de sauvegarde. C'est vrai que c'est le guac le plus total. C'est pas grave. Bon. Ah bah bah... Et du coup, c'est pas le bon... Ah si, d'accord. C'est bel et bien le même endroit. Bon, c'est pas grave. Ellipse. Allez, c'est parti. Deuxième manche. Ouh yeah! Ouh ah ouh ah ouh! Raté! Ouh ah ouh ah ouh ah! Raté! Ouh ah ouh! Parade! Double parade avec le tourbillon qui va bien avec! Ouh, bien joué! Ah ouais! Ah ouais, vous la jouez comme ça! Ils veulent la jouer comme ça! Ils veulent la jouer comme ça! Ils l'ont joué comme ça et j'ai plus de mana. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ça pour moi ça. Ah, bien joué. Joli dragon. Ah là là. Ah putain. Ouh, yeah. Je te tiens, toi d'abord, laisse-moi d'abord le choper. Non, mais j'ai pas pu le choper! Honteux, je suis arrivé juste à la fin de la cinématique! Hop là, raté! Toi, je te tiens! T'es à moi! Allez! Allez! Parade! Tu crois que tu peux m'avoir aussi facilement, chien? Facile, absorption de vos âmes. Phew. Et bah le rematch s'est mieux passé que la première fois. Très bien. Du coup, on refait tout le chemin. Voilà. Voilà. Voilà, et nous y sommes. Ça y est, on y est. Enfin. Ouh là là, à moi. À moi. Pratique, utile, fort, formidable. Ok, comment ça fonctionne? Oh putain, lui il est mort et... Et je l'avais même pas vu.
Et bien un parchemin. Le récompense de l'énigme après solution 200. Le peuple d'Agartha a utilisé les gemmes de l'ombre pour alimenter bon nombre de mécanismes. Cette technologie fonctionne encore au niveau des portes de pierre géantes portant le passage à la chambre. Des titans qui ne peuvent être ouverts qu'avec l'énergie d'un cristal noir complet. Je n'arrive pas à trouver de moyen d'y parvenir. Résolvez l'énigme. Ok. Il doit y avoir un... Ça, ce mécanisme-là, notamment. Je ne peux pas sauter dans le trou. Ah, voilà. Voilà, super. Ça marche. Ok. Bon. Eh ben pas mal. Stomp, stomp, stomp. On va essayer de le suivre quand même un peu plus vite parce que sinon. Qu'est-ce que. Behind that big door, the Titan awaits you. These statues seem to be here for a reason. Oui, 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 j'imagine. Cette statue, apparemment, je peux la bidouiller. Elle a besoin d'un cristal noir complet pour activer la statue. Ne me dis pas qu'il faut que j'aille chercher un autre cristal, si ? Me dis pas qu'il faut que j'aille chercher un autre cristal ! Tu te fous pas de ma gueule un peu, là, Brigitte ? T'es sérieuse dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta relation sexuelle avec les paysans de... Ah mais non, wait, je suis con. Forcément, je suis complètement débile. Alors, honnêtement, l'épisode a duré trop longtemps, mais je soupçonne qu'il se termine juste après ça. Donc, comme je vais faire ça proprement, on va aller juste... I think these statues can move somehow. Ouais. Non, trop loin. Voilà, parfait. On a déjà eu cette épreuve dans Resident Evil 6, Resident Evil 4, Resident Evil 5. Ah va. Ah, c'est pas non plus la complexitude. Hein. Attention au rayon. Et voilà, 200 points d'expérience facilement gagnés. Good work, Gabriel. De rien, merci Claudia. Bon, et bah tout ceci est en train de se faire. Oups. Pas récupérer ma gemme. Formidable, et ben voilà. La fin du niveau qui tombe pile poil au bon moment de l'amour. C'est ça qui fait plaisir. Bah écoutez, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. Un petit pouce vert, n'hésitez pas, ça fait plaisir, surtout sur cette série. Et surtout que j'irai jusqu'au bout, hein. C'est moi qui vous l'annonce, hein, donc pour le coup, voilà. Mais c'est quand même une grande série, c'est quand même un très beau jeu, moi j'apprécie énormément. Je vous remercie en tout cas de la suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Fanta Pub Games. Allez, zou.